Eh bien salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement dans ma chambre, hein. C'est incroyable comme vous le voyez. Voilà, c'est toujours ma chambre, il n'y a aucun problème. Il y a toujours la petite télé qui fait plaisir. J'ai un peu changé mon setup depuis la dernière fois. Voilà, je l'ai changé la semaine dernière, j'ai un peu bougé certaines choses. Je vais vous en parler juste après. Je sais, ça fait 3 mois sans vidéo. Voilà, à chaque fois que je m'absente, le type il est là, il s'absente. Et il s'absente. Je sais, je vais essayer de rester cette fois-ci. C'est pas facile, hein, parce que d'un côté il y a le taf, d'un côté il n'y a pas vraiment de jeu qui m'intéresse. Et même s'il y a un jeu ou quoi, la motivation n'est pas forcément là. Donc voilà, mais là, voilà, on est en septembre, ça fait 3 mois quasiment, jour pour jour, que j'ai pas fait de vidéo. La dernière en date, voilà, c'était je m'absente 2 mois, explication. Voilà, j'avais fait même un petit titre putaclic, ça fait plaisir. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et ça va être exceptionnel. On est toujours avec du 6, hein. Ça c'est voilà 4 90s kids, on est là. Puis derrière, attention, regardez mon dos, petit bon shape, on est là, hein. Donc les gars, attention, faites pas les choquer, non. Attention, vous êtes prêts? C'est juste là. Attention, bang! Voilà les gars, ça rigole pas, voilà. Nous on est là, on se prend un petit écran PC à 600 balles, ça fait plaisir. Donc je me suis commandé un écran PC il y a 2 semaines je crois, même pas, et donc il est arrivé ce matin. Donc voilà, je suis revenu du taf il y a à peine 30 minutes et donc voilà, il est là, le carton est énorme. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que je me mets sérieusement sur le PC, voilà. Là j'ai le tapis de souris déjà, enfin le tapis clavier plus souris, c'est un tapis frère, il est énorme. J'ai la souris, l'écran qui me servira pour la PS4 en premier temps, dans un premier lieu, voilà, c'est plus français. Et puis après, bah, le PC, je le prendrai novembre, mi-novembre, fin novembre, je sais pas quand je vais recevoir mon 13e mois. Et voilà, petit top achat, voilà, le petit PC à 2000 balles. Et donc voilà, je serai sur PC, toujours sur PS4, y a pas de problème, hein, FIFA, 2K, et bien sûr, le prochain Call of. Prochain Call of, j'avais fait une vidéo découverte. J'avais fait mes 2 premières games sur la bêta. Ça s'est mal passé. Voilà, ça s'est mal passé. Donc j'ai préféré. J'avais la vidéo, je pouvais la mettre sur YouTube, mais c'était de la merde. Voilà, j'ai regardé la vidéo et. Voilà, la première game, je me suis fait soulever. La deuxième, c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus exceptionnel. Donc voilà, mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vraie vidéo. Donc c'est le Predator XB1. Voilà, il est tout simplement ici. Voilà le exceptionnel, voilà le focus. Voilà, on adore le focus. Et donc voilà, là il y a des petits documents, blablabla. Donc tac, on se remet comme ça. Et puis bah je vais le déballer tout simplement. Petite dédicace parce que je dois la faire depuis des mois. Et à chaque fois j'oublie de faire cette dédicace. Donc dédicace à Charlène. Voilà Charlène, la beau gosse. Voilà, à Garance, voilà la meuf elle a été un mariage ce week-end. Elle a été un mariage et il y avait un tournage, vous savez, lune de miel sur TF1 mes couilles. Et la meuf elle s'est dit ouais c'est bon, je vais être une star en or, c'est ta gueule. Donc bon, dédicace pour Garance, hein, quand même. Et vas-y, dédicace pour Manon aussi. Voilà, les 3 meufs de Nevers, voilà, on fait plaisir. Pour l'instant, voilà, tac, tac. Tac, tac, pouce bleu. Eh les gars, pouce bleu, hein. Eh, je veux être en tendance les gars. D'ailleurs merci pour les petits abonnés par-ci par-là qui se sont abonnés justement à la chaîne ces derniers temps. Voilà, je propose plus du tout de contenu et il y a peut-être un ou deux abonnés par-ci par-là dans la semaine qui est présent. Donc ça fait plaisir les gars, merci encore. Mais voilà, je vais essayer de redevenir actif tout simplement. Voilà, il y a NBA 2K18 qui va sortir vendredi, faut que je le précommande là sur le store. Et peut-être une carrière, je sais pas. On va faire, on va prendre les deux mains. Hop,
bordel de merde. Ok, allez. Ok, toujours la petite notice. Là, on a un câble DPV1.2 câble. Voilà, donc c'est un câble. C'est un câble petite prise qui fait plaisir. Hein. Ça marcherait pas. Ok, bon, il y a deux prises. Une prise USB qui doit se brancher, voilà, mais plus sur un tatami. Voilà. Ça sent le neuf, hein. Ça sent le neuf. Attention les gars, attention les yeux. Ça aide pas si je le tiens comme ça. Petit scotch de merde. Voilà. Uno. Dos. Damn. Damn les gens, c'est Thibaut Enchep. Vache. Oh, attendez, ça doit s'enlever aussi. Hein. Voilà. Donc là, pareil, ça dit les petites inscriptions, hein. Voilà. Ok. Donc voilà le joujou. Voilà le joujou. C'est une folie. Donc, une partie du socle, voilà. Donc, c'est le bon bordel. Voilà. Donc, voilà. J'arrête les conneries, les gars. Ça, c'est un Godemichet. Taille 45. Triple rotation rotative, double vibreur, frère. Vache, non mais gros. Non mais c'est quoi ce socle, frère? Tac, 45. Ça c'est pour Seb, petit dédicace Seb. Et tac, 45. Pour GB, Benichou aussi, ils connaissent. Hein. Tac, 45. Attendez, il y a mon Chris. L'enfoiré, mon collègue. Se fout de ma gueule. Merci, senior. Merci. Merci, Chris. Merci. Là, voilà, donc les gars, c'est bon les gars, regardez la vis là, regardez, vous la voyez la vis, donc la vis juste là, elle s'est calée là, elle bouge plus, donc c'est parfait, donc c'est calé. Putain, j'arrive pas à le sortir, j'ai fait n'importe quoi, j'ai rien compris au truc, du coup je l'ai enfilé comme ça, comme une petite 2000 là. Attendez, je vais boire un petit peu les gars, toujours s'hydrater, c'est important, on pose là. Donc là, il y a le truc pour mettre dedans. Et c'était ça à mettre en premier et pas ça. Donc là, du coup, c'est un petit peu bloqué. Donc, je suis légèrement dans la merde. Ok, c'est bon. Je l'ai, les gars, je l'ai. Ok, donc là, on arrête les conneries. On fait ça. On est bon là. Là, j'ai bien tapé dessus. Vraiment une merde. Je suis vraiment une merde, c'est incroyable. Bon les gars, je vais faire un peu de rangement. Ah. Donc, vous voyez la petite diode normalement. Ah bah, il s'est allumé. Il y a eu le petit Nvidia, nos signal forcément. Donc maintenant, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais ranger tout ça. C'est vraiment le bordel là. Du coup, vu que j'avais prévu de le mettre juste à côté de la télé, mais vu qu'il n'y a pas la place avec le socle, je vais le mettre là pour l'instant. C'est pas mal du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que, donc, comme j'ai dit, je range tout. Là, je vais prendre mon PC portable, je vais le mettre là. Et donc, du coup, ça fera le setup complet. Et donc, je vous montre juste après. A tout de suite. Ok, les gars, donc on est de retour. Donc voilà, j'ai un peu mieux rangé. Voilà, c'est pas encore parfait, mais
c'est déjà mieux. A few moments later. Ta-dam, 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 ta-dam. Donc voilà, faut savoir que j'ai dû galérer pendant peut-être 10 minutes avec les câbles. J'étais pas bien les gars. Franchement, j'étais pas bien du tout. Genre j'étais là. J'ai cru que je m'étais fait prank. J'étais là, je me disais mais c'est pas possible. J'avais pas à connecter l'écran tout simplement à la play. Bon là j'ai réussi, tout va bien. Je vais regarder vite fait sur sur Watch Dogs. Vas-y, je vais regarder sur Watch Dogs un petit peu la différence. Ok, donc on va faire continuer. Et on va voir un petit peu ce que ça donne niveau graphisme, parce que là j'étais j'étais sur cette télé que j'ai depuis peut-être 2 ans, je sais pas, 1 an et demi. Non, 2 ans, je crois, je l'avais pris quand j'étais encore à Simply Conflant. Et franchement, fait plus trop le taf, quoi. N'importe quel jeu, il y a des assez gros grains, voilà, si vous voyez. Des grains visibles, quoi. Du coup, la HD, HD ou pas, c'est pas ouf. Du coup, faut que je vois, mais je me prendrai peut-être une télé 4K dans l'année. Mais voilà, faut que j'économise aussi, faut que je mette de côté pour les prochaines vacances. On n'y est pas encore, mais finalement, ça va quand même assez vite. Ah ouais. Attendez, je vais essayer de conduire vite fait. Il branche. Qu'est-ce qu'on a gueule. Ok, je vais essayer de conduire vite fait. Bon, je suis à une main, donc ça va être compliqué. Mais ok, j'ai déjà fait une connerie. Donc là, je suis sur Watch Dogs 2. Hein. Pas de... Je pense que vous l'avez reconnu. Voilà, je me prends un poteau, excellent. Je vais essayer de faire une petite accélération. Donc au final, je ressens une différence extraordinaire. Voilà, je vais me prendre vite fait là. Faire une petite roue peut-être. Non, il veut pas faire de roue. Voilà. On va hâter les conneries, parce que sinon je vais me faire choper par les flics ou par des ennemis par-ci par-là. Voilà. Je fais des bikes, voilà. Je suis là. On va se mettre un peu sur le bas-côté. Voilà. La bite a du nul. What? Attendez. Vous voyez mes potes? Ça c'est mon meilleur pote là, vous voyez ce qu'il met. Regardez mec, il a pas honte. Devil Scream, hein. Le fameux, l'unique. Donc la bite est du dul, excellent. Donc voilà les gars, j'espère que cet unboxing vous a plu. J'ai galéré comme un porc pour le socle, après pour brancher. Mais au final il est là, il est présent, il est énorme, il est insane. Franchement c'est... C'est un régal, il est magnifique l'écran. L'écran est vraiment magnifique et je sens que là cet après-midi il est 14h déjà, merde. Mais je vais peut-être faire un peu de zombie Black Ops 3 avec des villes justement avec Seb. Et je sens que ça va être incroyable les graphismes et tout et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt, vraiment. Je vais peut-être tenter un truc sur 2K18, peut-être une petite carrière, parce que franchement la carrière elle a l'air ouf. J'ai fait le prélude, la démo qui est sortie ce week-end. Et la démo, rien que la démo, elle a donné vraiment envie de taper dans la carrière, vraiment de... Vraiment la bonne patate. Donc voilà. Donc on se retrouve vraiment très bientôt, je vous le promets. Et donc voilà, c'était Nico, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, bye bye.